de la Transat Jacques Vabre 2017. Un petit résumé, on part du Havre sur un reaching jusqu'au lendemain matin où on arrive à la pointe Bretagne dans de la molle et puis là bon, bah, on se débat comme on peut, on sort de là en troisième position avec un tout petit peu de retard par rapport au premier qui arrive à trouver le front avant nous. Voilà. Bon, les compteurs commencent à s'affoler. C'est ambiance humide à bord, dévoilez-vous. Allez, on est au taquet, mémé. Tout, on a serré les fesses parce que le front, mine de rien, il y avait 35 nœuds devant, voire plus. Oh, 37 nœuds devant, c'est un peu ce qu'on a eu toute la nuit. Voilà, autant dire qu'on a serré les fesses. Hein. Pas facile. Hein. Avec pas mal de changements de voile et un gros niveau de stress. Et bon, on a mangé du chocolat, ça commence à aller un peu mieux. Après, c'est une grande descente dans du vent de nord-ouest, du coup. Donc là, on a fait une aile de mouette. C'est-à-dire qu'on a essayé de se positionner au plus près de l'anticyclone, au maximum dans l'ouest. Tout ça pour avoir le meilleur angle pour descendre ensuite vers le poteau noir. Condition extrême pour faire la petite tartine de pâté. C'est que ça bouge un peu. Et voilà, c'est le ventre plein qu'on attaque notre descente de l'Atlantique à 20 nœuds de moyenne. Ça déboule. Ce qui fait qu'on arrive en troisième position dans le poteau noir et au final on reste à cette position. Le poteau noir s'est refermé tranquillement derrière nous. Bon, le poteau noir, t'aimes ça? C'est un plat qui se mange chaud, froid. C'est ma deuxième expérience. C'est gros stuff à bord ce soir. On sort du poteau noir, ça va être pas de morue, pané de saumon avec des pâtes, machin, pas génial. Oh là là. Sortie de poteau noir, à bord de dévoilez-vous. Et le bateau glisse à nouveau à distance 2, donc le moral va avec, c'est parfait. On arrive, on a passé de bons moments. Oui, bonjour, monsieur Perron. Reportière sans frontières, on voulait remporter la palme du meilleur run sur une heure. Eh bien, je suis très ému, merci beaucoup pour cette distinction. Je ne pensais pas avoir cette distinction, justement. À part la trajectoire, on croirait que. C'est clair que les bourrés. Ben, ça va en fait. Et puis, c'est à la fin de la foire qu'on va compter les bouses. Et donc. Tout reste à faire. Donc, un petit mot quand même sur le blouson à l'italienne. Ouais, mais je fais ces chiens. On a cassé, on a cassé un grand spire, on a réparé. C'est Eric Perron à la manœuvre, number one de l'Exat. Qu'est-ce qu'on fait sans lui? Alors, on a passé vraiment un agréable moment, un moment avec Morgan. Est-ce que vous avez besoin de conseils pour la crème solaire? N'hésitez pas. Et toi, tu fais quoi? Ouais, je me suis planqué, je pouvais pas nettoyer le bateau. Tu viens plus aux soirées? Au final, le classement est resté le même tout du long, jusqu'à Salvador de Bahia. Allez, bon dia! Globalement, non, c'était une belle transat, sans trop d'accro, beaucoup de plaisir, des conditions variées. Donc j'ai beaucoup appris, je suis hyper content d'avoir fait cette transat avec Morgan. La note positive avant le résultat sportif, c'est la manière dont ça s'est passé. Et dans 10 ans, c'est ce qu'on regardera et ce qu'on retiendra, quoi, ce qu'on a vécu comme moment avec Eric. Moi, je repars ce soir avec plein de beaux souvenirs en tête, un beau podium. Et puis, de raconter tout ça à la petite famille, aux copains. Je te remercie pour ça, Rico. Ouais, moi aussi, ça m'a plu, super, génial. Ouais. Et puis, rentre bien. Et puis, on s'appelle la semaine prochaine. Avec plaisir, en tout cas, j'ai découvert un super mec et ça fait plaisir. Ouais, cool, je m'apprécie. Top. Top. Ciao. C'est peut-être à refaire, donc je vous invite à nous suivre pour peut-être une prochaine course, ce qui sait. Allez, à très bientôt.